find the songs that you will sing on your path along the way. It could lead you back to me. And when you find the place you're looking for, maybe you will finally settle down. Alors après, bah pour donner à manger, on a juste la prise de force, on accélère le moteur. Ensuite, qui se passe là? Là, on ouvre la porte. Là, on peut faire rentrer des couteaux pour aider à faire sortir le mélange. Et ensuite, on peut rentrer et sortir le tapis là. Et là, le faire tourner d'un côté ou de l'autre. La ration, donc là, celle que vous allez voir, c'est la ration des taurillons. Ceux-là, ils ont du maïs en silage, du concentré azoté avec, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je crois qu'il y a du soja et puis d'autres trucs. Du maïs humide, le maïs humide ça ressemble à ça. Maïs humide, ça ressemble à ça, c'est du maïs grain, comme vous avez dans votre assiette, qui est broyé, mis en silo comme de l'ensilage, avec des petits conservateurs. Et ça fait ça d'ailleurs, ça sent très très bon. Et ils ont également de la paille, donc c'est paille concentrée. Maïs humide et ensilage. Alors aujourd'hui, au moment où j'ai tourné la vidéo, c'était il y a un petit moment. Maintenant, ils n'ont plus de maïs humide puisque le maïs humide est trop riche. Donc, ils n'ont plus de maïs humide. Mais sinon, la ration est pareille, juste il y a plus d'ensilage de maïs. Et après, les rations que vous verrez, c'est les rations pour les mères. Donc, tout ce qui a des veaux. Tous les animaux qui ont des veaux, cette ration. Mais bon, cette vidéo a été tournée au mois de septembre, donc les rations ont changé aujourd'hui, même si c'est les mêmes aliments.